Je suis la maison, je suis en carton, mais je ne le dis pas, que c'est pas solide tout ça. Je suis la maison et je fais semblant d'être plus forte que toi pour que tu me laisses pas. Je suis la maison, habite-moi. Je suis la maison, ne t'en va pas. Je suis la maison, habite-moi. Néanmoins, si vous avez un jour des ennuis, appelez-moi, je viendrai m'en occuper. Tenez, voici ma carte. C'est ma carte d'intellectuel. Je fais pas une carte spéciale pour les ennuis. Parce que j'aime bien l'idée que ça fasse couverture. La carte d'intellectuel. Vous voyez, un peu comme Clark Kent ou notre Hulk, je crois. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin spécialement d'une couverture parce que la plupart des gens ne me voient pas me battre. Je sais pas. Peut-être c'est les robes. Ou quand je poste des vidéos où je coiffe mes petits poneys. Mais pour l'instant, j'ai encore un peu d'espace ici. Parce que Deleuze le dit, les alcoolos à qui on fait des lavages d'estomac sont ratés. Parce qu'un alcoolique, un vrai alcoolique, il ne fera jamais de coma éthylique parce qu'il risquerait de ne pas se relever pour boire un dernier verre. L'alcoolique, c'est Deleuze qui le dit, c'est le règne du dernier verre jusqu'au prochain dernier verre. C'est le règne du temps qui passe. Et quand vient la nuit, nous nous endormons tous ensemble. C'est assez agréable. Les rêves ne sont pas des décors, comme les films ou derrière la fenêtre. Les rêves sont pleins de gens, d'animaux, d'arbres et d'espace. J'ai toujours l'impression que c'est à ce moment-là, la nuit, que je grandis, que je prends forme, que je n'ai plus peur. Le noir, je l'aime bien. Il m'enveloppe mieux que la maison. Et il enveloppe tout le monde, toute la moitié du monde qu'il couvre est enveloppé, caché et ensemble. J'ai essayé avec de la glace de me mettre la tête dans la glace pour nettoyer la tête. Dans la glace, mais ça n'a marché qu'à l'instant. Après, j'ai eu mal au crâne. Et c'est tout. Mais c'est revenu! Mais c'était pas propre! Mmh.
J'ai bien tout donné les places à tout, c'est sûr, tout à sa place. Je pense que ça va aller, que tout à sa place. Et vous aussi, même si vous avez choisi vos sièges, je vous ai mis les sièges aux endroits stratégiques. Et j'ai recréé le dehors avec la lampe pour faire le soleil. J'ai recréé le dehors avec le lavabo pour faire le ruisseau. J'ai recréé le dehors avec le spray assainissant purifiant pour faire comme à la montagne. Vous savez, les odeurs de fleurs. Vous savez, quand on va en cure thermale. Et vous savez, c'est vachement bien la montagne. C'est très sain. J'aimerais bien aller à la montagne. Mais voilà, et j'ai recréé le dehors avec les ventilateurs pour faire le vent et avec la musique qui est aussi de l'air et de la vie. Et vous savez, j'ai recréé le dehors avec les plantes pour faire leur propre rôle de plante. Et même, j'ai mis la musique avec les oiseaux. Et même, en fait, ce sont de vrais chants d'oiseaux à la base, donc pas de la musique. Et alors, je recréé le dehors avec du dehors, mais enfermé dans ses des protégés, calfeutrés, dedans les oiseaux éternels. J'aime la terre, mais je la garde en cou. Et quand je sors de dehors, je dois respirer. Je dois respirer de dehors. Je n'ai pas de sol de sécurité. J'en rêve, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien d'avoir un sol de sécurité entre le dedans et le dehors, pour que le dehors ne rentre vraiment pas. Parce qu'après tout, est-ce que c'est mieux la sécurité que le dehors? Je ne sais pas ça. Vous êtes là, oui, puisque vous êtes là, nous avons essayé quelque chose, nous avons essayé quelque chose, comme avec les autres, essayons quelque chose, allons-y. Oui, je voudrais essayer quelque chose, vous voyez. Je ne désespère pas que ça marche. Peut-être, je ne désespère pas que ça marche, peut-être venez partout, venez. Ouais, soufflez. Ah, j'essaye. Je ne sais pas.
Ça me donne envie de baiser. Comme de la pelouse. Mais oui, de la reproduction du vivant dans les interstices, partout. Des milliers de petites tiges vertes partout qui se reproduisent sans cesse. Ça me donne grave envie, oui, oui, ça me donne grave envie de baiser. Moi, ça me rend hystérique, les parcs. Hystérique. Dans un parc, je lâche tout, je danse faible et je me roule dans la pelouse. Au milieu de l'histamine, l'herbe danse tout autour, je m'écroule. Ça me sidère la pelouse, la vraie pelouse, hystérique. Ça est l'omniprésence lointaine et presque insoupçonnable du chaos qui est vivant aussi et qui dit « surprise ». Mais peut-être, là, ça part trop dans la théologie. Restons terre à terre, tige à tige. Je vais tricher. Et ils étaient tous un peu roussis, fumés de dehors et de dedans. Heureusement, il y avait aussi les polaques de la grue, brillantes et jaunes. Alors, avec leur grue, de dessus, ils enlèvent les restes et soulèvent les corps des enfants. Ils ne sont pas si écrasés que ça, dessous, car les cendres sont légères. Le rite, c'est un pont, mais pas n'importe lequel. Le rite, ça doit être un pont d'aventurier. Le rite, ça doit être Indiana Jones, marcher sur une bretelle d'autoroute. Le rite, ça doit être les crocodiles, un pont en ficelle qui tombe au rythme des envols de pélicans, un pont en ficelle rongé par la pluie acide, des poids lourds qui nous frôlent et des barrières de sécurité trop souvent tordues, des crissements de pneus derrière nous, des plantes avachies qui jettent leur pollen au loin dans l'espoir qu'il atterrisse très loin de là, des piranhas qui sautent et s'accrochent au pont, des plantes carnivores à échelle, carnivores de gros mammifères sur les rives, au cas où les crocos seraient. Mais pas un pont au-dessus de la rivière aux canards, quoi. Pas les poules d'eau, pas l'acrobranche, pas le petit pont qu'on utilise sans s'en rendre compte, comme quand on regarde la route. Et la route devient un pont, mais c'est toujours la route, on croit. Le rite, il faut s'en rendre compte. Le rite, il faut le danger. Il faut avoir peur de tomber dans l'eau de trop loin, de trop haut.
dans les crocodiles ou sur les pics. De ne jamais réussir à passer, il faut désirer passer plus que tout. On peut rajouter des canards si on veut après. Mais d'abord le danger, les crocodiles. Et par exemple, se marier, c'est danger. La cérémonie, c'est une récompense, une validation, c'est pour une remise de diplôme. Le mariage, c'est pas une récompense. Puis ce serait outrageant pour tous les célibataires. Voilà. Parce qu'on peut quand même rire et pleurer. Dans quel ordre? L'un dans l'autre. Donc je vais me mettre là-bas.